machine. Oh Doudou, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui va pas, hein? Ton aspirateur, il aspire rien du tout, là. Mon aspirateur ne n'aspire rien. Et c'est normal, je t'ai déjà dit 100 fois. Quand l'aspirateur n'aspire plus, ça veut dire que le sac qui est à l'intérieur est plein. Donc, faut que tu le changes. Comment on l'ouvre pour changer le sac? Montre. Montre-moi. Mais je te l'ai montré 100 fois, enfin. C'est quand même pas compliqué. T'as tu là, tu l'ouvres, voilà. Compris? C'est dégoûtant, c'est plein de poussière. Ça sert à quoi, un aspirateur? Bon, d'accord. Et je vis d'où? Tu le vis d'où? Tu le vis dans la poubelle. Enfin. Hé. Hey. Oh, que c'est mignon, votre disco amoureux, là. Hé, hey, ça vous arrive souvent de parler d'où, comme ça? Bah, à peu près à chaque fois qu'on fait le ménage, hein. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Ouais, ben moi, j'en connais une autre. Miss Lali. Elle est où, celle-là? Attends, je t'explique. Pour une fois qu'on a pu prendre le bain avant elle, on la laisse se prélasser. Vous feriez bien d'aller la chercher, parce que c'est pas normal qu'on bosse et qu'elle flemmarde. Allez, hop. Mais tu sais, je crois que c'est mieux si elle reste là-haut, parce que si on lui demande de descendre, elle va se mettre entre nos pieds et ça va être plus encombrante qu'autre chose. Non, je crois que t'as raison. Ouais, c'est de la faute de Sébastien, ça. Oh. Ma faute? Ah oui, c'est de ta faute. Si tu la pourrissais pas autant, ben ça irait beaucoup mieux. José, c'est la première fois qu'elle fait pas le ménage, c'est peut-être pas grave. Tu l'as mal dressé. Tu t'arrêtes, toi. Au lieu de râler, tu vides ton sac, là. Tu le jettes dans la poubelle parce que t'as l'air ridicule avec ça. Oh, ça, c'est la meilleure. Non, mais l'autre, elle est en train de macérer dans sa baignoire et c'est moi qui prends. Il y en a marre, vous le passez tout, cette fille. Hein. Personne ne veut lui dire quoi que ce soit en ce moment. Bon, écoute, José, je ferai le ménage à sa place, d'accord? Et voilà, tu cèdes encore. Tu ferais mieux d'aller la chercher par la peau des fesses, ta nana, hein. Tu sais quoi, Sébastien? Tu te fais bouffer. Bouffer. Ça y est, t'es content, là? T'as vidé ton sac? Tu vas mieux? Tiens, va vider celui-là, après ça ira très très bien. En tout cas, heureusement qu'on a bien dîné hier soir. Ça m'aide à rester de bonne humeur. N'empêche qu'on l'a échappé belle, hein, pourtant. Ça fait quelque chose, le dîner de la lit. C'est vrai qu'elle s'est donné du mal, hein. Attends, je rêve. Elle s'est donné du mal, ouais. Et attends, qui c'est qui a mis du liquide vaisselle à la place de l'huile? C'est moi, peut-être? Ça peut arriver, ça, tromper de bouteille. Mais tu sais, moi, je dirais même que c'est un coup de génie qu'elle a eu, parce que le restaurant où on était là hier soir avec Bertrand, c'était excellent. Et n'empêche, c'était super sympa, sympa, hein. Vous vous rendez compte? J'ai vérifié. 3 toques 16. Super cuisine, hein. Ça a dû coûter bonbon, petit pervert. Oui, c'était presque gênant, même. Non, t'inquiète pas, il a les moyens, il y a pas de quoi culpabiliser. Non, mais attends, 8 personnes dans un restaurant comme ça? Bah, à mon avis, il a surtout invité Lali. Nous, on était des figurants à côté. Tu peux arrêter. Non, c'est toi qui arrêtes, t'as rien compris encore. Il a fait que s'occuper de Lali. C'est normal, ils étaient assis l'un en face de l'autre. Ah bah, c'est pas un hasard, hein. C'est plus pratique pour se faire du pied sur la table. Oh, c'est bon, là, José, c'est bon, ça suffit. Ouais, bon, ça va, je dis plus rien. De toute façon, si Nicolas est à l'aise, c'est de mon avis. Ah non, alors, Nicolas, tu le laisses tranquille, il a assez de problèmes avec son frère, hein. Salut. Bah, tu t'habilles comme ça pour faire le ménage, toi, maintenant? Comment ça, le ménage? Bah oui. Lali, tu vois bien que c'est le jour du ménage. Oh, bah, j'ai oublié. Tiens, pourtant, on a parlé dans la salle de bain ce matin. Ben ouais, je sais, mais entre-temps, j'ai oublié, quoi. Tant pis. Bon, il faut que je m'en aille. Salut. Tu vas où, là? Ben là, je vais chez le dentiste. Quoi? Il doit être mignon, ton dentiste, parce que pour te balader dans cette tenue, attends, ta jupe, elle a rétréci au lavage ou quoi, là? N'importe quoi, non mais ça va pas. Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? D'abord, on n'est pas ensemble. Bon, allez, j'y vais. Salut. Tu les laisses comme ça? Ah oui, ben, gardez ma petite part de ménage pour ce soir. Allez, salut. Ciao. C'est comme ça? Je suis en grève. Le ménage de frais ce soir. Pour qui elle se prend, celle-là? Attends, José, tu nous lâches avec ça, c'est bon. C'est ta faute, Sébastien. Tu l'as pourri trop, cette année. Mais non, j'ai rien fait du tout. Elle a toujours été comme ça, la nuit. Mais fallait la mater plus tôt. Elle aura changé avant. Je peux vous poser une petite question, là? Ouais, vas-y. Vous allez nous gonfler avec la lit toute la journée, quand même, là? Non, mais c'est bon, laisse-les. Hey, ils peuvent continuer, on va compter les points, nous, c'est pas grave. Non, vous avez raison, on va arrêter, ça rime à rien. Tiens, José, tu te lèves et tu branches ton synthé. Si je veux. Voilà, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. En tout cas, il y a une chose qui est claire, Sébastien. Je ne fais plus rien dans cette maison, c'est fini. Il n'y a pas de raison que la mère Lali se prélasse dans son bain et que moi je bosse. Oui, ça recommence. D'accord, José, tu feras plus rien à la maison. Enfin, en attendant, prépare-toi à répéter. Je pense que Bertrand va pas tarder à arriver. Salut tout le monde. Ah, Bertrand, super. On t'attendait. Tu vois, tout est prêt.
Oui, ben, je suis passé parce que je vais pas pouvoir répéter avec vous aujourd'hui. J'ai un rendez-vous très important et j'ai pas pu l'annuler. Bah, tant pis. Je suis désolé, hein. C'est pas grave, on va se débrouiller. En fait, merci pour hier soir, c'était sympa. Ah ouais, c'était vraiment délicieux. Non, c'est moi qui vous remercie, ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Bon, j'y vais, j'ai des rendez-vous, j'essaie de passer ce soir ou demain, d'accord? Ok, bah bonne journée. Travaillez bien, hein. Salut, mec. Ciao. Il est bidon, ce mec-là. Au bout de deux jours, il se dégonfle. Attends, il peut pas répéter avec nous aujourd'hui, excuse-le. Ouais, d'accord, une fois de plus, je me tais. Ça lui tend à me fatiguer. José. Quoi? Il est pas à notre disposition, Bertrand. Hein, rappelle-toi la semaine dernière, on espérait qu'une chose, c'est qu'il s'occupe de nous. Et là, pour une fois, il peut pas répéter, bon, c'est pas le drame. Je sens pas, c'est tout. Ouais, alors pourquoi est-ce que tu lui souris toujours quand il est là, hein? Parce qu'il peut nous être utile. Ah non, José, non, tu vas pas commencer à être hypocrite avec Bertrand. Bah, hey, attends, Sébastien. Tu crois qu'il l'est pas avec toi? C'est bon. Vous trouvez pas qu'elle était bizarre ce matin? Oh, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce qui peut m'énerver quand elle est comme ça, elle? Je parle pas de ça. Je la trouvais fuyante. J'avais l'impression qu'elle osait pas nous regarder dans les yeux. Vous avez pas remarqué? Oh, tu sais, elle s'était peut-être rendue compte qu'elle n'a pas fait le ménage de tout. Là, peut-être elle a eu des remords. Elle a eu des remords. Non. Il y avait autre chose. Remarque, c'est vrai. Elle était pas comme d'habitude. Attends, on connaît bien Lali, elle est toujours bizarre. On est pour rien, nous. Ouais, mais t'as raison, je dois me faire des idées. Oh, tiens, là, Nathalie. Salut, les filles. Oh, regardez ce que j'ai. Oh, petit chat, il est mignon. Viens là, mon bébé. Où est-ce que tu l'as trouvé? Bah, ce matin, je suis passée devant l'SPA et enfin, j'ai craqué. On va te bien faire. Coucou bébé, tu es adorable. Et vous vous rendez compte que si je l'avais pas pris, il aurait été piqué. Oh, ça me dégoûte, ça. Comment on peut faire du mal? Une petite puce pareille. Il est chou, hein. Ouais. Je l'appelle Lulu. Oh, salut, mon loulou. Lulu. Mais comment tu vas faire pour la fac? Bah ça, c'est un petit problème, mais je pensais passer au garage et demander à Christophe de me garder. Alors là, je te souhaite bien du courage pour affronter José, hein, parce que lui, les animaux, ça a toujours fait deux, hein. Ah bah, lui, les êtres humains, ça a toujours fait deux aussi, hein. Oh, ma petite bête, je te souhaite bien du courage à toi aussi pour affronter le monstre de José. Oui, 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 oui. Salut. Regarde, là, le petit chat. Donc on pourrait très bien avoir un animal à la maison. Oh mais Lali, on n'est jamais à la maison, pour y pas s'en occuper. Bon, d'accord. Bah assieds-toi Lali, reste pas debout. Non, en fait, je faisais que passer. En fait, je vais pas déjeuner avec vous à midi parce qu'il faut que je retourne voir le dentiste pour qu'il finisse ce qu'il a commencé ce matin. Ma pauvre Lali, mais dis-moi, on dirait que José avait raison. Il doit être drôlement mignon, ton dentiste. N'importe quoi. J'ai mal aux dents, moi, réellement, les filles, hein. On te croit, hein. Mais fais attention quand même, qui dit mal de dents, dit mal d'amour. Oh chérie, vous pensez qu'à ça, hein. Merci. Merci. Tiens. C'est sympa qu'on puisse déjeuner ensemble tous les deux. Ouais. En plus, c'est très mignon ici. J'aime bien. Ouais, j'appelle ça ma cantine. Mes studios sont juste à côté. C'est très pratique. Tiens, un de ces quatre, je t'emmènerai dans mes studios. Ah oui, ça me ferait plaisir. En tout cas, c'est plus pratique de discuter ici plutôt qu'hier. Hein. Tu m'étonnes. Attends, chaque fois que je voulais te parler, José me coupait la parole. À croire qu'il le faisait exprès. Non, il est comme ça. Il est comme ça, il aime bien être le centre du monde. En fait, il a un ego un peu gros comme... Tu es très belle, Lali. Merci. Alors, qu'est-ce que t'as dit aux autres pour pouvoir venir? Oh, j'ai dit que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Original. Faut que je pense avoir mal aux dents ce soir, ça va être drôle. On dirait que ça t'amuse de mentir. Oui, j'aime bien. C'est comme si je jouais un rôle, c'est bien. Ah, t'aurais aimé être comédienne? Ouais, j'aime bien la comédie. C'est vrai, c'est comme si tu pouvais vivre plusieurs vies en même temps, comme si tu pouvais les vivre à fond, tout en restant à l'abri, puisque de toute façon, tu sais que ce n'est qu'un rôle, donc c'est bien. Très jolie interprétation. Et je suis sûre que tu ferais une excellente comédienne. Ah bon?
Tu crois? Bah attends, t'es belle, intelligente, et tu dois avoir du talent. Non, tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, vraiment, je suis sincère. Bon, c'est gentil. Parle-moi un petit peu de toi. Tu m'as dit l'autre jour que t'étais brésilienne, c'est ça? Oui. Enfin, non, c'est ma mère qui est brésilienne et mon père est français. Ah, d'accord. Et t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Alors, c'est parce que ton père est français que t'as atterri en France, c'est ça? Non, c'est plus compliqué. En fait, c'est parce que ma mère, qui était au Brésil et qui est venue en France... En fait, je peux garder cette histoire pour moi parce que comme ça concerne plus de personnes... Non, il n'y a pas de problème. J'insiste pas. D'accord. Mais t'aimes bien la France? Oui, c'est ouais. Sympa. C'est très bien. Et tu retournes souvent au Brésil? Oui, pour les vacances. Bah, j'ai toute ma famille là-bas, c'est sympa. Et puis, bon, les Brésiliens sont super. Ils sont tout plein de vie, de soleil. Il y a une bonne ambiance, c'est sympa. J'aime bien. Tu connais le Brésil? Ah oui, mais j'ai pas dû connaître le même genre d'ambiance que toi. Comment ça? Tu sais, quand je voyage, moi, c'est hôtel, studio, et j'ai jamais le temps de voir le pays où je suis. Hein. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un super pays. C'est très beau. Puis les gens là-bas valent vraiment le coup d'être connus, quoi. C'est vraiment génial. Je veux bien te croire. Je peux te poser une question indiscrète? Tu peux toujours poser, je suis pas obligée de répondre. Tu es très amoureuse de Sébastien? Mais oui, bien sûr, mais ça c'est pas une question indiscrète, tout le monde le sait. Il a de la chance. Sans guitare, c'est pas ça du tout. Non mais arrête, c'est pratiquement mieux sans guitare. C'est vrai, c'est plus aéré, on s'entend mieux, c'est tout. Et toi, tu t'entends très bien, sûrement. Ouais, entre autres, ouais. Ah ouais, il est trop, lui. Marc, c'est vrai que quand on aime les instruments synthétiques, une guitare, ça doit gêner, non? Ah non, ça gêne pas, non, c'est primitif. Bah oui, bah regarde, on a tous des instruments primitifs. Et alors? Seulement nous, tu vois, José, on a un vrai contact avec notre instrument. Quand on joue, il se passe quelque chose, il y a un feeling qui passe. Tandis que toi, là, quand tu tapotes sur ton clavier, Tu dois pas ressentir grand-chose, finalement. Non, mais détends-toi, je ressens plein de choses, moi. Mais au niveau des oreilles, surtout quand j'écoute mes sons. Vu le volume que tu mets, c'est certain que tu dois bien l'entendre. Le problème n'est pas là. En tous les cas, c'est mieux sans guitare. C'est pas plus mal que Nicolas soit pas là, hein? Bah, si. Tu vois, José, tu es l'être le plus abject, voire immonde que je connaisse. Tu mériterais d'avoir une panne de courant à vie. Bon, c'est vrai. Salut, le garçon. Salut. Ciao, Bella. Tu fais des courses ou quoi? T'as acheté quoi? C'est quoi? C'est un petit chat, regarde. Ah, d'accord. Hein? Je suis passée à la SPA et. Waouh! Ben, je l'ai récupéré. Oh, il est trop mignon. Vous me plaisantez ou quoi? On dirait un gros rat. Bon, ça va, José, enfin. Il a quel âge? Bah, je sais pas, il doit avoir dans les deux mois, je dirais. Mais tu sais ce qu'il faut lui donner à manger? Ouais. Ils m'ont dit d'acheter du lait en poudre et de le mettre dans un biberon. Ouais, je vois le tableau d'ici, tiens, Christophe en train de donner le biberon à son fils. Bordeaux, rien. Mais enfin, José, tu veux pas être sympa deux minutes, non? Puis bon, c'est pas lui qui va s'en occuper. Enfin, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de m'organiser. C'est vrai, ça? Comment tu vas faire pour tes cours? Eh ben justement, vous pourriez le garder aujourd'hui? Bien sûr, ouais, y a aucun problème. Regardez le petit pépère, il est carrément beau. Par contre, on va lui organiser une petite litière, quand même. Oh, c'est hors de question. Non, je suis allergique au poil de chat, non. Je supporterai pas un animal ici. C'est hors de question. Regarde-le, il a presque pas de poil. Il en a déjà trop, et puis j'ai déjà un nez qui me démange. Virez-le. Bon, bah, je vais trouver une autre solution, alors. Non, attends, tu plaisantes, grincheux, il va arrêter. Si ça te démange, tu le grattes. Passe-moi cette petite bête. Oh là là. Oh, bah, ça finit pas? Certain. Ouais, hein? Bah merci, en tout cas. En fait, il s'appelle Lulu. Lulu, ah, c'est adorable. Adopte Lulu. Bon, bah, moi, je vais y aller. J'ai rendez-vous avec un avocat pour Manu. Ce soir, et... Ouais. Tu t'occupes bien de lui, ok? Eh ben, on va l'installer sur le canapé, hein? Sur le canapé, pas question, il va pisser partout. Enfin, José, c'est pas grave, ça se nettoie. Et les odeurs, vous avez pensé, hein? Et puis en plus, ça griffe, un chat. Ah, tiens. José, si tu tiens pas carreau, le chat, il te griffe. C'est vraiment bon.
Mmh, c'est délicieux. Et t'es sûr que t'arriveras à tout finir? Mais bien sûr, tu me connais pas, tu sais, je suis très gourmande. Hein. Je te dis un truc, j'adore déjeuner avec toi. Et c'est vrai, t'apprécies tout ce qu'on te sert. Ouais. C'est gentil. Moi aussi, j'aime bien manger avec toi. Parce que toi, au moins, tu me fais pas des remontrances tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres passent tout leur temps à me dire que je mange trop. Je mange pas trop. Mais non. Vas-y, mange. Ça prouve que t'es en bonne santé, comme la vie. Ouais, je crois que c'est ce que je vais leur sortir comme excuse la prochaine fois. En tout cas, merci. C'est très sympa ici. Hein. Ouais, c'est un petit restaurant italien qui paye pas de mine de l'extérieur, mais on y mange très bien. C'est vrai. Tu sais, Lali, je suis très contente de te connaître un peu plus. Mais Lali, c'est un nom pas courant du tout. Ça vient d'où, du Brésil? Non. Enfin, si. Non, pas vraiment. C'est-à-dire? Ça vient de Lali. Ah, ok, c'est un diminutif, c'est ça? Non, pas vraiment non plus. En fait, ça vient de mon arrière-grand-père qui a épousé une femme qui s'appelait Eulalie et il a eu des enfants avec elle. Et les filles se sont appelées Eulalie et puis tout doucement, pof, c'est devenu Lali. Et puis, voilà. Très jolie ton histoire, très jolie. Merci, c'est sympa. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est pas vrai. Attends, regarde. La Sainte Eulalie, c'était hier. Ah, c'est trop, ça. Bah, heureusement que tu me le dis, tu vois, je l'aurais jamais su. C'est vrai, on se fête jamais les fêtes entre nous. C'est trop. Eh bien, moi, je te souhaite bonne fête, avec un jour de retard. Oh, merci. Attends, qu'est-ce qui te plaît? Regarde qui est à l'entrée. Mais c'est Nathalie, je te l'ai présentée hier. Et puis, normalement, je suis pas censée déjeuner avec toi, tu comprends? Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est elle. Bah attends, on va essayer de faire quelque chose. Non, mais quoi? On va essayer de sortir discrètement, d'accord? D'accord. Attends, je vais te dire quoi. Attends. Prépare tes affaires. Oui. Vas-y, c'est bon. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru reconnaître quelqu'un. Ça y est, c'est bon. C'est tellement mignon, cette petite boule de poil. José, je comprends pas que tu craques pas. Bon, t'arrêtes toi maintenant, arrête. Tiens, prends-le un petit peu dans tes bras. Arrête, je suis allergique, vire-moi cette boule de poil. José, t'as perdu la tête ou quoi? Tu veux qu'on te dénonce à la SPA pour non-assistance à chaton en danger? Mais t'es malade. De toute façon, vous allez le piquer. Mais c'est... Écoute, José, malheureusement, ils peuvent pas garder tous les chats qu'on leur dépose. C'est pour ça qu'il faut les adopter. Tiens, passe-moi un petit coup. Hop là. Bah, adoptez-le si vous voulez, mais gardez-le avec vous. Eh, mais franchement, je comprends pas comment une grande chose comme toi puisse avoir peur d'un petit truc comme ça, c'est étonnant. Salut! Bonjour! Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ça n'a pas l'air d'aller, hein? Bah, rien, je suis allergique au poil de ce saloperie de bestiole. Oh, ça y est, elle a amené? Ouais. Elle est mignon. Oh, t'es au courant? Bah oui, j'étais au courant. On l'a vu tout à l'heure. Enfin, j'avais bien dit que ça te plairait pas, je m'étais pas trompée, hein. Non, mais c'est qu'il est mignon, il est adorable. T'as vu ses yeux bleus? Oh, ouais, ils sont beaux, ses petits yeux. Ça te plaît de voir un petit chaton comme ça? Bah il va me tenir compagnie, surtout. Puis Nathalie ne peut pas le garder dans sa chambre universitaire, donc c'est parfait. Ah ouais, on peut pas avoir d'animaux là-bas. Ouais. Eh, c'est gay, tu vas puer le chat. Oh, allez, arrête de râler, toi. Arrête de râler. D'accord. Bon, les garçons, on est venus vous chercher pour aller faire des courses. Ah ouais, bah écoute, ça tombe bien, on a presque fini. Ah, donc vous venez avec nous, hein? Bah écoute, en ce qui me concerne, j'ai pas grand-chose à faire. Moi non, parce que j'ai le chat, puis en plus je dois attendre Nathalie. Donc... Désolé les filles. Bon, allez, on y va faire les courses vite fait, on se casse. Dans deux secondes, là, moi je range ma basse. Salut tout le monde. Ça va, Lali? Oh, super, j'ai mal aux dents. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je peux pas imaginer. Arrête, vire-moi cette sale bestiole, c'est pas possible, je commence à étouffer. Vire-le. Oh, bah, c'est bon, je le garde. Allez, on va faire les courses, hein. Moi je peux plus respirer ici. Oh là là. Oh. Ok, on y va. Tiens, reste là bien sage. Tu viens avec nous, Lali? Non, moi j'y vais pas. Attends, j'ai trop mal aux dents là. Je peux pas bouger. Évidemment. Fais pas le ménage, fais pas les courses. Je vais te finir par piler, toi. Hein. Oh, oui.
C'est pas grave, moi je vais rester avec toi. Bon, nous on y va alors. Bon, allez, on se casse, allez. Ok, okay c'est parti. Salut les petits. Ciao, ciao. Allez, gars. Bye. Bye. Wow. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu peux pas savoir. Il m'a fait 3 anesthésies. Et à la fin, j'ai bien cru qu'il allait m'arracher les dents. C'est bon? Non, non, je peux pas te montrer. Ça me fait trop mal. Rien que d'ouvrir la bouche, ça me fait mal. Oh. Ah, c'est quoi cette chose-là? C'est tout mignon. C'est grave, hein? Oh oui. Ça s'appelle Lulu. Ah bon? Ouais. Bah, si ça avait été une fille, on aurait peut-être presque pu l'appeler Ali, non? Non. Ça te plaît pas? Aïe. Si, c'est mignon. Désolée, j'ai mis un temps fou à arriver. Ah, bah on t'attendait, hein, de toute façon. Alors, il a pas fait de bêtises? Il était adorable. C'est vrai, ça? C'est bien. À propos, ton déjeuner avec l'avocat, comment ça s'est passé? Super bien. J'espère obtenir une liberté conditionnelle pour Manu. Ah, ouais. Bien, bien. Au fait, j'ai vu Bertrand au restaurant tout à l'heure. Ah ouais? Et il était sale? Oui. Pourquoi? Non, comme ça, comme ça. Sébastien, tu veux pas m'embrasser? Je suis sûre que ça me soulagerait un petit peu. Tu vois, juste là. Pas.